collectif. Peut-être lui manque-t-il la présence, je ne dirais pas. Il faut suivre particulièrement le numéro 8, possesseur du ballon actuellement, Tony, qui est le poumon de cette équipe portugaise. Tony qui compte 32 sélections, qui est un des plus capés. C'est un peu lent tout ça malgré tout chez Alves. Et... ah, il en fait un peu trop peut-être Tony, il aura du mal. La balle avec effet est allée sur le gardien alors qu'il fallait la mettre 2 mètres en deçà. On essaie d'organiser du côté portugais. Tony. Et cette fois-ci, ils sont quand même 5. On cherche Cenino. Mais tout en essayant malgré tout de monopoliser le ballon depuis quelques minutes, d'essayer de faire le jeu. Et ce sont les Portugais qui font le jeu en ce moment. Tony. Personne à droite, absolument personne. Il faut aller chercher dans le paquet. Plus rapide, plus affûté que lorsqu'il jouait au Paris Saint-Germain. À l'époque, il donnait une impression de lourdeur. Tony, Umberto. Il devrait y avoir des buts maintenant parce qu'on se découvre davantage de part et d'autre. Batiston touche pratiquement son premier ballon. Dépossédé tout de suite d'ailleurs, on ne va pas laisser le temps de s'en servir de ce ballon, dépossédé par Tony. Pour les Français, mais Lopez n'est plus là et c'est Bossis qui l'a remplacé au poste de libéro alors que Batiston est arrière-gauche. Nous allons voir ce que va donner cette nouvelle défense. Pas très nerveux tout ça pour l'instant, on se cherche un peu de part et d'autre, c'est pas tellement... Oscar, les remplaçants, vous voyez, jouent beaucoup en ce moment. Alors que c'est Hugué, bien entendu, voudrait sauver l'honneur puisqu'ils sont toujours menés par 2-0. C'est Cardozo qui déclenche la contre-attaque avec Tony. Cardozo, Tony, qui a Alves à sa droite, mais il porte beaucoup le ballon. Voilà pour Alves. Grand chose de positif de part et d'autre. On comprend encore l'équipe de France qui mène par 2-0, mais les Portugais prennent rarement des initiatives. Tony. Arthur.